Bon, mes amis, comment nous y est? Nous sommes contents d'entrer la caille, nous. Ça avec un pile plaisir, nous pourrons essayer de dialoguer. Je nous habitue à faire Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Et ses amis, nous espérons que vous avez passé un très bon week-end de formation en notre compagnie et nous pourrons passer une très bonne semaine. Comment nous y est? Comment nous y est? Et ici en Haïti, où qu'on réalité a déjà. Chaque jour nous lever, l'information n'a pas changé. Côté m'a parlé ensemble avec vous là, bien bonheur matin nous disons là. En pile côté, yo levé, yo lock. Pendant ce temps, gouvernement lui-même li annoncé congé. Ouais, tout jour passé là, gouvernement annoncé congé pendant ce temps. N'a demandé est-ce que y a carnaval vrai? Congé carnaval gouvernement annoncé 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Gouvernement pas jouer lui-même. Est-ce que vous connaissez côté m'a parlé avant là? Jeff, bandit dans le canard. Attendez, oui, le peuple, attendez. Jeff dans le canard, en fait, qu'on a plusieurs policiers qui font payroll pour eux chaque mois. Est-ce que tu es comme ça? Ou elle dit, c'est menti. Est-ce que tu es joué avec information ça? C'est pour craser l'institution policière? Posez-vous. Il faut attendre. Il y a un policier qui a parlé, qui a expliqué la situation de la police. Regardez, vous avez un bal dans la manifestation. Et pas moi, vous avez vrai, non? Comme Ariel Henry a joué, Ariel promet yo mons et merveilles. J'en habitué fait depuis l'heure de monter sous pouvoir depuis environ 31 mois. En pile nan yo maintenant tête yo. Ariel gon bagay vrai le pral offri yo. Et sak fore, yo met zèl nan dou, j'en remet zèl nan dou là pour craquer population ak bal, crever je journaliste ak bal. M'a regardé imagine dame nan canapé vert qui prend bal nan jé. Ou regardé bout de vie nan jé a qui pendjé. Et assurément, dame ça, le pape roué encore. Même Jean, journaliste ça, le pape roué encore. Je me pour me faire tant de policiers ça, qui a dénoncé la situation dans la police là. Vous comprenez? Bagayo compliqué. À quoi Montana a parlé? Fritz Alphonse Jean, il a participé dans une émission non radio au Canada, son radio au Canada. Il a parlé, il a pris position, et encore une fois dans l'émission ça. Il y a une bonne possibilité pour tendre. Fritz Alphonse Jean, qui a parlé, qui a bien intention de parler par rapport avec ça qui a passé là, mesdames, messieurs. Nous souvent dit, ça qui est là en Haïti, pour voir Ariel là, il y a un plan. Et ils ont même fait connaître Paul Harry Voltaire, qui c'est actuel chef cabinet, directeur ministère intérieur, si je ne me trompe pas. Qui va essayer pourtant de l'axore ou dans des amis. Pas fort tendi. Pour ça y a qu'un pile les autres. Nous pral développer tant qu'on connaît la bandi envahi Mariani. Pour pas Mariani, bandi envahi Carrefour, Rivière Froide et de Michel. Ou bon bandi envahi côté ça yo. Sa poti sous ce au sol, tout espace ça aujourd'hui là sous compte bandi Gravine. Yo débarqué. Boule caille, fusil moun met moun dehors, yo saccager moun ak bal. Rete là. Mesdames, messieurs, n'a vinn bo plus détail de ça qui a passé là. N'a tande bon citoyen qui accusé Reginald Boulos. Li dit Reginald Boulos participer dans ça qui a passé là en Haïti, dans ça qui a fait là en Haïti. Reginald Boulos, nous tout nous connaît. Et même poser question, pour qui ça? M'a jamais entendé yon juge instruction dans tout ça yo nommé. Pour instruire dossier assassinat Jovenel Moïse là, m'a jamais demandé yon invité Reginald Boulos. Est-ce que c'est connait ou pas connait Boulos? Est-ce que jeune pourquoi jeune dossier Boulos? Reginald Boulos, Dimitri Vob, pour qui ça nous moun sa yo, pourquoi j'aime citer, pour qui ça moun sa pourquoi j'aime paraître? Pour qui ça moun sa yo, pourquoi j'aime mal raconter qui ça t'est passé réellement dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Mesdames messieurs, situation compliquée. Haïti réflexion, nous entrer la caillou, tout feu tout flamme, et nous allons mettre information sur vous. Nous dit, dans le moment où nous parlons là, la rue en Haïti, pays à lui-même, son pays sous tension. Lorsqu'on est dans la rue, dépendamment de l'heure, ou est dans la rue, parce que son situation volatile, ou est dans la rue, ou est situation paraît plus ou moins comme si vous dites, oh, situation calme, gardez les machines, et puis, d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre, situation chavirée, situation chambadée, dans mes ronds. Ou à poser tête aux questions, qui ça a passé comme ça? Ok? Eh bien, mesdames, messieurs, yo di nou genye, et Paul Harry Voltaire,
monsieur gon plan macabre. Monsieur gon plan pour ranger avec une série de assassins criminels. Côté pouvoir mandaté monsieur, mettez plusieurs machines disponibles à l'intention des bandits pour capable tirer sur population cap gain pour manifester. Et ben moi cap dit bon faut attendre non. C'est magistrat cité soleil là cap dit ça. Cap expliquer le dit lui même mais information gain mais qui leur réunion qui fait dans Delma 75 oui. Mais tout plan gain là oui. Et ben pour sans raison, nèg yo té manqué assassiner Guy Philippe. Et pas pour sans raison, mais il était manqué assassiner Maurice Jean-Charles parce que tout le monde qui campait dans l'idée pour dire que Fox System ça crase monde ça c'est mourir pour mourir. Ouais comme manger Jovenel Moïse. Il était manger Jean-Jacques Dessalines bien avant. Vous devez comprendre jodi à plan, vous pas de parler en faveur Haïti. Bon faut attendre non, magistrat t'a parlé. OK? Et après mesdames messieurs n'a tourné. Moi veux pays après note de ça que nous dit là. Hier soir aux environs de 10h30 dans Delma 75 Iba Bureau Archive Nationale là. Bon petit restaurant là, c'est là et en dedans gros petit bar macrel les gars qu'on prend plaisir à savoir Paul la Révolte. Hier soir des grandes rencontres. Satiné Paul la Révolte, ça avec Jean-François Chita a plus qu'on centaine de jeunes garçons qui sortis dans des quartiers populaires. Côté que Libay Negyo uniforme, la police uniforme BESAP, limité 5 pick-up à la disposition, yo, oh. Plus 2 machines Prado gris. Paul la Révolte? Allô? Paul la Révolte? Et Satune, qui est chef cabinet PM, là. Paul la Révolte, qui est chef cabinet. Ministre de l'Intérieur, Sadrak Jean-François, qui est directeur de l'entité ANDA et FAES. Trois messieurs, ça a chita plus à une centaine de jeunes garçons. Yo ba yo zam, yo ba yo l'agent, yo ba yo uniforme BESAP à tout uniforme la police. Pour matin à la, pour al tirer sous population, qui pral prendre responsabilité pour débarrasser des pouvoirs criminels de facto, causé Ariel Henry. En ce sens, nèg sa yo gen 5 pick-up qui disponible pour yo, 2 Prado gris. Nous mande peuple haïtien quel que soit machine li wè sans plaque jodi a k'ap sikile ki genyen uniforme la police sou yo, faux policier sa yo, faux agent BESAP sa yo, eh bien mare yo al mete yo nan commissariat en attendant les l'état nan jije yo parce que jodi a Ariel Henry pa genye ni titre, son simple citoyen. Nous même à travers Ospo, nous balis jusqu'à midi pour faire yon adresse à la nation pour dire déposer Cléa en bas porte là. Nous mandé Franck Felbi, créons l'histoire pa gen gomme, li devons fait accompli. Et c'est sous lui plus policiers mouri. Et c'est sous lui gon vingtaine commissariat qui va sous contrôle la police là. Nous demandons à tous les policiers, la bataille qu'a fait là, c'est la bataille qui est liée. Puis, rejoindre Max Peuple là, même Jean-Policier là, Thibaut Diofel, pas prendre aucun ordre manifestement illégal pour aller tirer sur le petit peuple là. Nous connaissons vivre dans la crasse, dans la misère. Bataille n'a fait à son bataille pour passer agent 1 à 50 000 gouttes. Pour passer si 4 débits la police là à 25 000 gouttes. Pour avoir bon genre de santé. Nous demandons la police à parler en confrontation pour Ariel Henry pour pouvoir causer des criminels. Parce que c'est dans ma crise que le peuple a ressorti. Parce que vous êtes ouais, Jean-Peuple a appris l'écraser la même balle police là. Nous ne voulons pas appeler le peuple chanter, craser la police là, au BESAP là. Parce que ni BESAP, ni la police, c'est petite, même maman, même papa. En ce sens, nous disons chaque haïtien. Quel que soit moun nan l'état qui gen machine l'état nan men, désormais jodi a pa gen l'état pour yo déposer machine yo nan la ria, bloquer la ria toute machine l'état yo. En attendant nous-mêmes, les Ariel finale pour monter gouvernement, les ça n'a remettre machine yo ba l'état. Nous mande aucun machine l'état pour après la ria jodi a déposer yo nan la ria parce que peuple a prend l'estre la main. Peuple a pris occupation la main. Même Jean de 1804, même Jean de 86,
même Jean Jounet Jodia, il devait 2004, et bien Jounet Jodia l'a fait 2024. Nous demandons France LB, prend responsabilité, comme nous connaissons, c'est Tchoul et l'Occident lié, nous connaissons c'est Tchoul pour voir ça, et bien quel que soit le monde qui mourit dans la manifestation, moi, Jodia, qui blessé dans la manifestation, c'est sous responsabilité, Satine, pour la révolte. Sadiak Jean-François, France LB, parce que c'est eux-mêmes qui ont responsabilité ça, qui ont marché par les âmes, l'argent, la machine, pour le faire tirer sur le peuple. Nous disons, peuple, quel est le peuple? Nous jouons, bye, love, là, continuez pour barrer les zones, continuez pour la responsabilité, Ariel, il y a midi pour faire ça l'affaire. Nous prions des grâces, comme Alventis, pour lui, eh bien, faire des passements de soir pour lui parce que facile bail là-bas pour lui faire adresse à la nation pour éviter un pays de sang dans le pays là trois haïtiens fin mourir pays a pas capable encore mais pendant ouais donc on a annoncé un titre pendant ouais la police a bail moun bal là pendant ouais police ont gagné fougue il y a bail moun bal il y a saccagé moun il y a craqué moun avec bal là pendant ouais tout ça a fait là mesdames messieurs qui t'aime dire non. Il y a un policier là qui sous payroll Jeff ou Jeff Bandi Canaan. Quoi attendez ça m'abdou là? Il y a un policier là, policier sous payroll, ça veut dire chaque mois policier allonge mail by Jeff pour Jeff allonge un chèque Bali ou bien allonge un vlog Bali. Kounya là des fois, ou il doit poser tête aux questions, comment faire insécurité à pas résoudre dans Canaan? Ou il doit poser cette question pour demander comment faire jodi en la situation li tendu comme ça nèg Mariani et nèg Kana aussi à l'aise et ben wa comprendre pas oublier il fut un temps blender la police yo c'est taxi nèg yo prend au fait parce que blender yo pas régler rien blender yo pas régler merde vraiment c'est taxi blender yo a fait là qui situation ni OK ou quoi comprendre est-ce qu'on comprend nan ki ça nous prend. Et policier ça qui t'a parlé qui t'a expliqué dans quel niveau et negyo c'est negyo sous payroll policier sous payroll Jeff c'est pourtant des à deux nawer et pas mot pour dire t'as l'obra dit journaliste ici remet bay menti journaliste ici t'a rapporté un série de bagages que pas même connaît andade directement c'est policier ma fils ça son bad même bon c'est l'aime grand comment dégager gette moi demain les gette moi c'est comme connait parce que m'va vivre voler m'va le don police chéri ou est malgré toute ton insécurité ça gagne là PF pas gagne radio non ça pas passer carrefour mara ça bon lycée a pas connait non la difficile oui toi qu'a PF pas gagne radio non bon comment la police va le faire là et puis nous besoin ba rendement voler oui tout monde comme tout monde et voler oui a fait voler oui a régler. D'abord, yo rejoignent yo dans insécurité pays là. Là, tu fais pas le pont, c'est bien chef la fait payroll dans la police. Ou même qui policier, qui pas qu'à manger, pas qu'à boire. Y a des officiers, officiers, pas officiers. Les dix. Pendant chef la prend toute force, tout à fait pour régler à connivence. Et tandis que ils ont volé à faire payroll police. Ça prend des idées pour. Là, toujours été quitté insécurité à côté là parce que là, donne faire capital là. Chéri, toilette, y a même raison toilette, y a un sérieux. Attends, chef, bon, mission, bon, on va le monde aller. Moi dans la rue, mon travail. Tant que vous responsable quand des bouquins, tout le monde connaît voler, lui pas connaît faire vol pour lui. Oh. Toilette qu'a fait tout le monde comme tout le monde, tout le monde comme tout bagage. Si on te font barre, je connais en bonne et 10 femmes tout ça pour. Direct. Tout ça dit là, c'est ça comme de toilette qu'a fait. Tout ça dit là, yo compte tout, pas j'aime que aucun suivi fait pour yo. Moi même quand ça comme barre contre machine la police encore. D'attava Omega, yo machine frappé Mariani et porté gain ti tretoyo Mariani responsable commissariat premier salaire les mandé c'est comme machine là oui depuis il a dit mon pas grand monde qui fait monter vol en machine la police une machine pour mouler si ça veut barrer machine ba pour les machines la police ça c'est une deuxième archi viola te geti elina quoi de bouquet qui te kidnappe un petit demoiselle un petit grimel les rejoindre grimel là je me sont pile fat. C'est mon copain LB, il y a un frère LB qui était dans la police comme volé. Ah, si vous n'êtes pas là, tout le monde comme tout le monde. Il n'y a pas de problème, mais moi, je suis un monde qui dit lui quand même. Direct que toilette qu'a fait, tout le monde comme ça a fait. Où est-ce que vous êtes direct?
yo pa ka bay pension pou yo tire ancien volé ça pour y avancer à nouveau pour yo couper tout ça pas bon pour yo quitter ça plus ou moins la police a prêté comme ça encore dire spécialement paye pas nous même Haïti li pa jem l'autre monde c'est toujours même volé deux joueurs ça descend li dit ou deux joueurs neuf pas l'autre monde yo tout monde connaît tout ces volé c'est toilette qui a fait tout monde comme tout monde yo connaît tout ça qu'a prêté sur téléphone bagaille yo t'a fait directement c'est police ma fils ça son problème et situation ça fait en pile monde maintenant tête yo comme si n'a posé tête une question vraiment est-ce que situation n'est là est-ce que juste était lié éclaté comme ça. Est-ce que haïtien ta capable gon cœur aussi dur? Est-ce que haïtien ta ka aussi insouciant? Mais m'a dit envahi Canaan là et envahi rivière froide. Mais que disent les autorités? Vous pas comprendre. Comme si pour une bonne autorité était aussi insouciant. Pas oublier Ariel fait connait lui-même, mon déclaration vente bœuf. Ariel fait connait lui-même. Zafel s'il mourit. Mon naturel ou pas. Si c'est fusil ou fusil ou pas, il dit ça fait s'il mourir parce que le connaît là mourir un jour quand même. Donc il y a aucun monde comme si pour le mettre dans situation, il va le mettre dans situation comme quoi l'en mort comme si c'est plus mauvais bagaille qui t'est arrivé, monsieur dit ça fait. Monsieur dit le résien. OK. L'international croise bras, même sous tendre a dit tout ça yo, même sous tendre a fait tout ça yo, même sous tendre tout marché pressé ça yo, pas occupé ou. Pas gagné qu'a fait pour ouvrir, pas gagné qu'a décidé pour ouvrir. Yo pa genyen ou nan plan yo d'ailleurs. Ki soyé pou yo, yo pa genyen ou nan plan yo. Si ou met nan tête ou international la cœur pou ou foutu. Yo contenté hôpital rentré là en Haïti. Actuellement là, gon paquet média international ki nan pays là, ou pa konn ça? Gon bon média international ki là en Haïti. Kap réaliser reportage chaque jour, bon faut attendre youn. Bon faut attendre un reportage et un média international. D'ailleurs, yo entre dans quartier populaire aux gens ouvlé. Tu comprends bien? Il y a parle avec gang yo, gens l'idée yo di yo. C'est nous même journalistes haïtiens. La police a fout nous balle, bandi a fout nous balle. Mais yo même, yo entre côté yo vle. Bon faut attendre nous. Il a pris plusieurs balles perdues. Les tirs de sommation de la police ajoutent à la confusion. Trois hommes sont arrêtés, soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'un chauffeur de poids lourd. En Haïti, tout le monde peut être kidnappé. C'est un moyen pour les ravisseurs d'encaisser des rançons. La victime est encore en vie. Évacuée à bord de ce taxi collectif. Avant, on n'entendait pas de tir ici. C'est en bas de la ville que c'est chaud normalement. Aujourd'hui, c'est partout. Rackets, enlèvements sont désormais une industrie en Haïti. Elles financent des gangs tout puissants. Depuis l'assassinat du président haïtien par des mercenaires étrangers il y a 3 ans, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin. 80% de la capitale est aujourd'hui contrôlée par des groupes criminels. Face à eux, la police haïtienne tente de reprendre du terrain. Nous embarquons avec une unité d'élite, celle chargée d'affronter les gangs. Le véhicule blindé est criblé de balles. Nous sommes à Mariani, un quartier à l'ouest de Port-au-Prince. Les habitants de cette zone sud sont aux abois. La zone est occupée depuis un bon bout de temps par des hommes armés, des civils armés, bien entendu. Mmh. Et nous, on est là pour les mettre en déroute. L'objectif du jour, récupérer un abattoir occupé par les gangs. Drone, qui sont ouais. L'équipe est guidée par un drone. Les hommes progressent dans l'abattoir. Un coupe-gorge. Des tirs résonnent. Les policiers s'engagent dans une ruelle étroite quand le chef d'équipe entend un bruit. L'homme que l'on vient de voir a été abattu. Il n'avait pas d'arme visible, mais pour la police, sa simple présence ici fait de lui un complice des gangs. Ok. Stand by.
de longues zones. C'est une zone trop difficile. L'équipe décide de se replier. L'abattoir reste un territoire aux mains des gants. Une guerre sans merci, avec les moyens du bord. On a éliminé un bandit. Il était dans une ruelle. Je l'ai tué. On a été obligé de se replier. En Haïti, la guerre des gangs fait plus de 13 morts chaque jour. Une guerre de territoire. En plein centre-ville de Port-au-Prince, le quartier de Bel Air, tenu par les gangs. Les guetteurs surveillent en permanence la ligne de front. Non, là, ici, ça va. Là, non. C'est safe. Là, là-haut, par contre, pas du tout. On peut avancer un tout petit peu. Nous suivons l'un d'eux jusqu'au point d'observation le plus avancé. Là, là, c'est le quartier de Solino. Voyez le drapeau, c'est leur base. Ça est, base. Au bout de la rue, c'est le quartier ennemi. Voilà plusieurs années que le gang de Bel Air essaye de le conquérir. Il y en a un qui sort la tête de temps en temps. Je vais lui tirer une balle là. Prendre le contrôle d'une nouvelle zone, c'est s'assurer des revenus grâce aux raquettes. 5 jours plus tôt, les deux camps s'affrontaient. On voit ici les habitants de Solino, aidés par la police, face à l'offensive du gang de Bel Air. Venez, rentrez au pays où vivent les bandits. Les hommes de main du gang de Bel Air ont accepté notre présence. Une vingtaine de jeunes hommes, armés jusqu'aux dents. Venez voir, nous sommes les 103 zombies. Ils se surnomment les 103 zombies. Ils se considèrent morts-vivants, au service de leur chef. Dans la bataille de Solino, nous sommes prêts à mourir. C'est la seule chose que le pays nous offre. La plupart des jeunes qui n'ont pas encore quitté Haïti, ils sont comme nous. Ils ont pris les armes. Nous sommes les 103 zombies. Nous sommes les maîtres du pays. Sur les réseaux sociaux, ils affichent leur vie de jeunes bandits, exhibant la richesse accumulée au fil des raquettes et des enlèvements. Certains peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce jour-là, ils partent en patrouille dans leur quartier, bouteille de rhum à la main. Cette arme, elle est comme nous. Elle boit du rhum, regarde. De l'autre côté de la rue, le quartier tant convoité par le gang de Bel Air, Solino. Un des habitants nous accompagne dans la zone des combats. Ils ont tout brûlé ? Tout brûlé. C'est la guerre. C'est la guerre. Tout est détruit. Une importante communauté de policiers réside à Solino. Avec les autres habitants du quartier, ils ont réussi jusqu'à maintenant à repousser le gang de Bel Air. Mais la bataille est rude. Il y a des habitants qui restent la nuit et il y a des habitants qui restent là toute la nuit. Ce sont les brigades communautaires. C'est de l'autodéfense pour que les gens ne partent pas du quartier. Aucune autorité de l'État ne vient ici pour constater les dégâts. Abandonnés par l'État, la population est livrée à elle-même. 310 000 personnes ont été déplacées. Plus de la moitié sont des enfants. Cette femme a dû fuir son domicile dans l'urgence alors qu'elle est enceinte. En Haïti, on ne nous donne aucune valeur. On a soif, on a faim, et en plus, on... Mais ça qui est plus dérangeant, c'est le wap comprendre, le wap connaît. Dans le moment où elle est dans une situation difficile, désastreuse, nous est là, nous avons une série, nous avons dit pseudo leader politique. Nous avons une série de gens qui soi-disant disent c'est des leaders politiques. Ou pas vraiment ouais position, ou pas vraiment comprendre position. Donc quoi comme on donne, fruit à l'fond Jean. Monsieur, bon, monsieur maintenant tête il c'est président, président qui ça, on ne sait pas. Donc mais pendant même tout ça, c'est des nèg qui a préparé là tout, faut ne veiller. Qui a préparé là tout en coup là. Ouais, peuple a prend la rue chaque jour. La prend balle tout côté, tout Jean. Donc on a dit "Eh Jean, peuple a prend balle." Mais qu'on est nèg là qui a filé manchette yo. Gen nèg la ka pare ko pou al piafe pou al bambile sou mise peuple la.
L'homme dit sous misère peuple là, nèg y a préparé ou là automatiquement tant que Ariel t'a allé, gen nèg k'a préparé, gen nèg ki t'a préparé discours là même. Comprenez bien? Tant que vous t'a le fond les gens. Monsieur toujours montrer ou les préoccupé par situation, mais qui action les gens me poser? François Duvalier te dit nous, révolution ne se fait pas avec de la littérature. Qui va ou doit faire révolution? Ou va faire révolution? Ou dire révolution fait là, c'est révolution pacifique? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette merde? Comment révolution pacifique là? Alors, on est à Haïti là, j'ai un système ça ancré là, j'ai un système ça craqué nous, tout fou dans nous, fait moi ensemble avec vous, pas qu'à bénéficier un yé. Tant que nous pas de petit Jean-Jacques Dessalines, ou pensez aujourd'hui là, li le bon ton pour nous parler de révolution et puis nous dire pas de révolution pacifique. Il va mentir dans la tête nous. On me faut entendre foutre ça le fond, Jean. C'est un désaveu formel de la part de ces trois pays, je parle des États-Unis, du Canada, de la France, de cette gouvernance qui nous conduit dans la catastrophe dans laquelle nous sommes en train de vivre là maintenant, nous sommes en train de subir cette catastrophe humanitaire dans ce pays. La deuxième chose, je crois que s'il y a quelque chose à faire, c'est justement, c'est de, à part le désaveu, c'est l'appui pour qu'on puisse consolider les forces de police en Haïti. Et la consolidation des forces de police signifie quoi? Signifie un vetting, signifie l'appui logistique et signifie un accompagnement pour la formation de la force de police pour qu'on puisse faire face aux défis auxquels nous faisons face là maintenant. Ouais, depuis pour tous ceux qui suivent la situation en Haïti, c'est pas facile à comprendre. Donc depuis 1986, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, on a l'impression que le pays va de gouvernement en gouvernement, de renversement, de coup d'État en coup d'État, avec donc des pertes, des victimes lorsque ces événements-là surviennent. Comment, au fond des choses, réussir à surmonter ce chaos qui semble permanent dans votre pays? Oui, et vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement fondamental que l'on ne veut pas accepter. La chose, c'est que lorsqu'on change de gouvernement, le gouvernement, c'est l'affaire de coup d'État auquel vous venez de faire référence. C'est vrai. Ce n'est pas vrai, mais ce ne sont pas vraiment les politiques. Et là, c'est extrêmement important. Il y a des groupes extrêmement important dans ce pays. Bien sûr, il y a aussi des groupes politiques, mais le groupe le plus important qui contrôle ce qui se passe dans ce pays et qui nous ont conduit justement à ce chaos là en 2024, ce ne sont pas seulement les politiques. Et les groupes les plus influents, ce sont des groupes du secteur économique de ce pays. Et là, c'est pourquoi je parle. Les conflits auxquels là maintenant nous faisons face, c'est pas la division des acteurs politiques. C'est pas un conflit entre les acteurs politiques. Ce sont des conflits par procuration. Les gens qui sont en conflit entre eux, ce sont des gens qui se battent pour des parts de marché, qui se battent pour des privilèges au niveau de l'État, qui se battent justement pour les passe-droits au niveau de cet État. Et ce ne sont pas nécessairement les politiques. En premier chef, ce sont des acteurs du secteur économique de ce pays. Et là, nous allons tout droit vers un bain de sang dans ce pays. Si le problème n'est pas adressé de manière adéquate, de manière efficace. Et pourquoi nous disons? Il n'y a que trois pays qui peuvent bloquer ce bain de sang. Et ce sont les États-Unis en premier lieu, le Canada et la France qui soutiennent cette gouvernance. Et cette gouvernance est prise en otage par ces acteurs. Donc, on doit mettre de l'eau dans le vin de ces acteurs. Et deuxièmement, s'assurer qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre entre eux à travers les acteurs politiques de ce pays. Mais quand vous parlez de ces trois pays, donc au fil du temps, il y a eu des missions de policiers, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées, une aide financière importante aussi. Il y a eu évidemment le tremblement de terre, je pense que c'est 2010, si je ne fais pas erreur, chez vous. Et donc, quand on regarde ça d'ici, on se dit, ben, comment faire pour régler la situation là-bas? Comment? C'est parce que même avec ces aides, on n'a jamais voulu adresser le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est la capture de l'État par ses acteurs. Si on n'adresse pas ce problème, on change de gouvernement, il y a X qui est au pouvoir en 2023 et en 2024, vous avez Y. Et ce sera toujours la même configuration. Et c'est cette configuration, si vous voulez, des relations de l'État avec le reste de la société qui nous a conduit à cet appauvrissement total des couches moyennes dans ce pays, mais surtout à cet appauvrissement total de tout le pays. Là, nous sommes en train de regarder ce qui se passe au niveau de la migration. Tous ces gens-là qui fuient Haïti pour se rendre au Canada ou pour se rendre aux États-Unis, ce sont des gens qui ne peuvent plus vivre dans ce pays parce que toutes les fenêtres sont fermées pour qu'ils puissent entrer
dans des créneaux de création de richesse dans ce pays. Donc, lorsqu'on parle de résoudre ce problème, il faut adresser les problèmes fondamentaux, les problèmes de la capture de l'État par ces groupes économiques. Fritz Alphonse Jean, président de l'Institut haïtien de politique publique, ancien premier ministre d'Haïti. Merci. Et puis, l'obtendez-vous, ta pensée, c'est des gens qui vraiment ont une volonté pour retirer Haïti côté de là. L'Europe tende yo, ou ta pensé réellement son bon moun qui gon volonté et yon bonne volonté pour aider Haïti sorti côté li la. Mais pourtant c'est pas vrai, détrompé ou. Son bon moun, idée a prôné chaque jour yo. C'est garder pour yon qui façon pour yon entrer. Et c'est ça que bay Ariel Henry toute notoriété l'gen là. C'est ça que bay André Michel toute force, toute poids l'gen là. Parce que son bon moun kap négocié job. Ouais, ti vagabond bay pour Paul Géo Jean-Baptiste là, même toujours les petit vagabond et ça yo il est pas emmerdé non. Nous veut dire mon nous pas ta penser à négocier ensemble avec yo là. Parce que pouvoir sentir son victoire pour lui. Pouvoir sentir la l'aise, pouvoir sentir actuellement là tout ça que t'as dit, tout ça que t'as fait yo, c'est tétenade. Yo senti yo victorieux, yo senti yo pour élan, yo senti yo pour un essor. Dans ça qu'a fait là yo. Pouvoir trouver le bon moment mesdames messieurs ou bien non situation côté que li sent-il gagné à tous les coups. Parce que mouvement fait, cause dit, manifestation fait, la dot, nad marinade, tétenade, li stil rete la pirède. Malgré tout ça kap dit, malgré tout ça kap fait, li stil rete la, Ariel la, dans le 7 février, le fait discours. Donc les partisans d'Ariel Henry, yo senti yo protégé, yo senti yo à l'aise, va gagner café yo peur. Kode ma pala voilà. Malgré bandi a bay population en balle, mais yo même yo di c'est fêté a fêté. Malgré tout ça k'ap di la yo, mesdames messieurs. Et moi même tant qu'on a commencement émission m'd'ap di, gen bagay wè k'ap fait comme si et on déjà posé ta tout question, comment se fait-il conseil de moun? Parce que Jean Haïti est là, dis-moi s'il vous plaît, il pas tombé côté li a comme ça. Non. Nous voilà qu'a sorti aussi bas pour nous tomber côté nous tomber à là. Gousseille de main cachée que nous pas ouais. OK? Pour mettre Haïti côté lié là, gousseille de main cachée, gousseille de action en bas qu'a fait, ou me dit international là, mais gros ben nèg là en Haïti, oligarchie en Haïti, yo même tout, yo travail, yo contribue pour mettre Haïti côté lié là. On est tant qu'original Boulos. Et ben nèg presque tendez à parler de lui dans jour ça là, pendant ce temps, tout le monde connait qui ça original Boulosier, qui ça le représenter. Dans la mort Jovenel Moïse, lui-même avec Dimitri et Vob, yo campé yo dit clairement eux même y a mené une bataille. Dimitri Vob dit l'a mené une bataille sous 50 ans et peu importe façon lui-même l'a gagné. Et nous presque bal raison vrai que le gagne. Parce que qui suivi que fait, qui ça que j'aime fait. Go nèg qui réalisé yon enquête selon ça le dit, l'a parlé de Reginald Boulos, faut m'entendre. OK? Comme faut entendre monsieur qui a parlé de Reginald Boulos, ça le connaît de Reginald Boulos et si Haïti côté lié là Reginald Boulos c'est une monde qui cause. Comme faut entendre monsieur. Du core group et de la bourgeoisie haïtienne. Un homme du nom de Reginald Boulos aurait organisé et financé l'assassinat afin de lui-même s'installer au pouvoir. Non seulement Reginald Boulos est un fervent opposant de Moïse et lui-même un candidat aux élections présidentielles, mais encore plus, c'est l'un des principaux supporters des coups d'État de 1991 et 2004 contre Jean-Bertrand Aristide, en plus d'être un proche collaborateur des États-Unis, ayant siégé auprès de Bill Clinton sur le très fameux Fonds de reconstruction haïtien évoqué plus tôt. Les courriels ayant fuité sur Wikileaks ont également démontré que Boulos collaborait secrètement avec l'équipe d'Hillary Clinton pour manipuler les résultats de l'élection présidentielle en 2010 et 2011. Boulos nie toute implication dans l'assassinat. Deux jours avant les événements, il retient les services d'un lobbyiste afin de représenter ses intérêts à Washington. Lorsque Moïse est remplacé, le premier geste du nouveau premier ministre est de déclarer un état de siège et quelques heures plus tard, il demande officiellement, au nom d'Haïti, une intervention militaire des États-Unis. Bien sûr, les Haïtiens sont en colère et totalement opposés à une telle idée, donc le Sénat désigne un nouveau président. Les États-Unis s'y opposent et installent plutôt Ariel Henry, qui sans jamais avoir été élu devient président et premier ministre avec plein pouvoir sur les affaires du pays. Plusieurs sont alors scandalisés devant une ingérence aussi flagrante, tellement que l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti démissionne carrément de son poste en affirmant dans sa lettre de démission
Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. On ne peut qu'être effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. Voilà ce qui nous amène à aujourd'hui. La situation sur le terrain se dégrade rapidement, alors que les finances publiques sont à leur plus bas, que l'inflation fait des ravages et que les gangs de rue se sont largement retournés contre le gouvernement, assurant eux-mêmes l'autorité dans plusieurs zones, incluant environ 60% de la capitale. Sans surprise, les gouvernements occidentaux sautent sur l'occasion pour présenter Jimmy Barbecue comme un véritable Ben Laden des Caraïbes et réclamer une intervention militaire sous un prétexte supposément humanitaire, et ce, malgré l'opposition farouche du peuple haïtien. Chers amis, soyons lucides et voyons la réalité pour ce qu'elle est vraiment. Ce qui se prépare actuellement sous nos yeux, c'est carrément une nouvelle invasion militaire d'Haïti. Non pas pour défendre les intérêts des Haïtiens, mais bien pour défendre les intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques de l'Occident. Se mettre la tête dans le sable et prétendre que nos intentions sont nobles relève de la pire forme d'arrogance et d'hypocrisie, mais encore plus, cela démontre une ignorance de l'histoire presque intellectuellement embarrassante. Étant citoyen canadien, j'ai honte des actions de mon pays, j'ai honte de ma civilisation, j'ai honte de l'indignité, de l'impunité, de la complaisance, mais aussi de toutes les choses qui n'ont pas pu être ajoutées dans ce documentaire afin d'en préserver la décence face à la censure. Croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg et d'innombrables éléments ont dû être passés sous silence. La misère haïtienne, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de l'Occident, de comment il fonctionne avec ses jeux de coulisses, ses intérêts cachés et sa manière tordue d'altérer le fil de l'histoire pour toujours façonner le monde selon ses propres volontés. Alors que les appels à l'intervention militaire se multiplient dans l'espace public, rappelons-nous des enjeux, de notre histoire, de toutes nos contradictions et acceptons que pour une fois, le destin d'Haïti doit d'abord respecter la volonté des Haïtiens. Mes amis, j'ai été profondément choqué par tout ce que j'ai découvert dans la recherche de ce documentaire et après avoir exposé autant que possible ce que nos frères haïtiens savent depuis déjà très longtemps. Vraiment la seule chose qui me vient en tête en terminant ce document, c'est vive Haïti. À profiter de tout ça, yo. Et, ou pas t'as envie de demander même gens ensemble avec moi? Pour qui ça va jamais un juge instruction qui relève monsieur? Pour ça dans tout ça qu'a fait là yo, pour ça m'pa jamais entendre rien dit, pour ça m'pa jamais entendre yo juger les monsieur pour poser le question sur ça qu'a passé là dans pays. Est-ce que on est tant que Reginald Boulos li pa gagne pour d'ailleurs web pile de liment li yo web pile business li gagne en Haïti yo, mais actuellement là Reginald Boulos voyager monsieur pas vivre en Haïti, monsieur mettez l'autre monde gérer business yo. On est qui pas Haïti même s'il gagne business en Haïti, mais il doit dire pas aucun intérêt dans pays là. Non, les gens disent même si Haïti chaviré, même si Haïti craqué, même si Haïti crasé, même Joe Biden te dit nous, les gens disent ça pas garder. Et ça dit nous, business ça, monsieur Guy en Haïti, pas changer de propriétaire, pas changer de maître. Les gens sont habitués à faire ça. Les gens ont une quantité de temps qui est en Haïti, une quantité de temps business qui est en Haïti. Ils ont changé, non, ils ont viré non business, ils ont volé sur nos pays, ils ont volé sur l'autre monde, ils ont gagné un deal ensemble avec un série de monde. Vous ne comprenez pas. Et vous avez une tendance à ne pas payer les taxes. Vous êtes fort. Vous connaissez ça à faire. Vous connaissez le type d'action que vous posez chaque jour. Et vous même peuple. Et où le peuple qui savoir faire. Et vous même le peuple qui position vous gagner. Qui compte vous camper. Qui savoir faire. Vous devez comprendre et connaître aujourd'hui là. Où on ne peut plus menacer. On fait face avec une situation qui on ne peut plus difficile à digérer, mais quand même faut ou arranger ou parce que y a des bagages qui vous faites ou pas d'être d'accord avec situation là. Moi en pile dans nous en Haïti, c'est comme si nous d'accord ou aujourd'hui là c'est donc un mouvement fini. D'ailleurs Guy Philippe qui a parlé qui dit bon l'identifier moun qui t'est tenté assassiner lui et après ok ou identifier yo, mais et après qui soit bien pour dire encore qui soit prêt à le faire. On va se comme si on croise bras ou on juste rester comme ça ou quitter comme si yo manqué assassiner ou yo assassiner plusieurs agents de ça. M'a tant don bagay, m'pa konn si c'est vrai. Tande on dit actuellement là, fait a dit ouais c'est 5 agents de ça qui mouri. Nous pa konn combien agents de ça qui mouri. Yo dit pour quantité agents de ça qui mouri là dans buscade ça ouais qui t'ai fait là, son bagay grave.
Vous pas comprendre. Vous pensez nous devons continuer à penser avec Ariel? Vous pensez nous devons continuer comme si à bail Ariel toute possibilité ça, tout avantage ça pour le faire nous salver, pour le manger, nous assassiner nous tout d'un coup? M'a dit encore. Soit on ne parle faire assez ni pour nous faire. Nous refuser camper goumé pourtant c'est camper pour nous camper goumé. Nous refuser combattre pourtant c'est camper pour nous combattre Ariel. Nous refuser poser une série de actions pour nous faire tendre voix nous, pour nous faire respecter loi nous pourtant c'est li pour nous faire. Ça on a évité faire. Ça on pas d'accord faire. Ça on pas veut faire, c'est li même pour nous faire parce que c'est li qui a bon pour nous. N'a vivons une situation extrêmement difficile. Même en vimande, est-ce qu'il y a un moment de notre histoire, est-ce que nous avons ça? La réalité ça n'y est là, est-ce que dans l'histoire, nous avons déjà des gens ça? Situation n'y est là. Ou envie dit son situation sans précédent. Nous pas gagner avant dans l'histoire, nous. Mais jusqu'à ce qu'il y éclaté. Nous avons gardé peuple haïtien, peuple moribond, qui a prié bon Dieu, qui l'a pour à débloquer pour l'amener activité. En dépit de tout, malgré tout, quoi qu'il advienne, quoi qu'il puisse arriver, depuis qu'il y a quatre sorties quand même, il y a une possibilité. Il n'y a pas besoin de ça qui a réglé en l'air. Depuis qu'il a, nous avons un comportement d'insouciance. Depuis qu'il a, ce type de façon ça, nous avons raisonné. Depuis qu'il a, nous voulons comprendre, mesdames, messieurs, bataille là, c'est bataille nous lié. Nous pas de peur. Nous pas de peur affronter. C'est nous pour goûter. C'est nous pour prendre coup. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Nous toujours prenons plaisir nous pour nous partager ensemble avec vous des réflexions. Et pour ça qu'a passé dans le pays là, nous pas arrêter bouche bée. Journalistes aujourd'hui là, c'est des cibio et est-ce que nous capable parler? Est-ce que nous capable croiser bras nous? Son situation difficile n'a fait face et ou même m'a demandé est-ce que ça t'est jamais arrivé dans l'histoire nous mettre dans niveau ça. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'a gagné à n'importe quel moment, OK, pour nous continuer informer ou et ou même qui habitué ensemble avec nous qui connaît déjà dans quel niveau travail n'a fait assez pour un travail qui facile. Donc côté nous besoin support pour aider nous partager, aider nous faire nouvelle ça yo gaier river tout côté parce que c'est chaque monde bon côté pa yo qui ca poser une action, qui doit poser une action pour nous arriver jeune Haïti nous tout nous besoin. Situation difficile et compliquée, c'est nous pour travail. Pour nous avancer, pour nous retirer Haïti côté lié là. Bye bye tout le monde. Encore une fois, on garde positivité, nous calme nous. OK? On nous réfléchit pour nous comprendre comment nous allons rebondir. Mais yo ban nou coup, yo frappé nous fort, yo frappé nous dur, yo frappé nous jouk nan jouk nan zo. Mais faut que yo attend yo quand même, ap gon réaction. Ma quoi pour mettre dans tête yo après tout ça ou fin fait là yo et puis pour penser la partie est finie, le jeu est fini. Non. Mais faut que nous redoublions d'efforts. Faut que nous réfléchissions à la meilleure façon de frapper. Pour ne pas frapper nous pidu. Redéconnectez ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'ap croiser prochainement pour une autre vidéo.